Et plop les gens, de retour sur Céleste. Du coup, c'est le chapitre 3, partie 2. C'est Pico qui nous a... Non, qui nous a bien pris du temps. Oh non. Tes mates t'ont pas attendu. Ok. Ah, j'y étais presque. Ah, je me suis bien foiré. Et deux. Bah, je vais ranger un peu. Ah mais je peux marcher ici. Bon là je... Ouais, non, je le sentais pas. Ok. Ah c'est pas bon ça. J'étais pas loin quand même. Non, mais faut pas que je marche là-haut. Ok, j'ai fait nimp. Il faut un sacré self-control pour ce jeu. Ouais, un peu. Attendez, non, c'est bon, je crois que j'ai tout vu. Oh. Comment je suis censé faire? Ah, j'y étais presque. Pas comme Tokyo Mirage, j'ai l'impression. Voilà. On a pu passer ici. Mais de quoi? Ouais, mais... me paraît... J'ai l'impression qu'il y a quelque chose dans cette pièce, mais j'arrive pas à voir genre de mécanisme ou de... ou quoi que ce soit qui ferait que... Ok. Ah. La porte qui bloque bel et bien la lumière. J'arrive pas à trouver quoi que ce soit qui... Ah! Qui ferait passage secret quoi dans l'autre niveau. Non, je suis con. Là, il faut que je dash. Je peux dasher. Là, faut que je dash, ok. Flo, tu peux pas te transformer en bureau? Ah, tu l'as fâché, Flo. Ah, tu fais un petit 1m90, Flo. Oh non, pourquoi en diagonale? Ouh. Mais je pouvais tomber là, j'avais fait exprès.
10m90. Bah ouais. Ah, gnagnagnagnagna. Oui, ça par contre, la carrure, j'ai pas... Ah, je me suis pas moqué de la carrure. C'est justement ma carrure qui a rigolé. Ok. Et voilà. Parce que c'est ce truc là. Ok. Ok, donc maintenant il me bloque les endroits où j'ai été. Très bien. Il a d'autres choses à me dire. Je n'ai pas encore commencé et je me sens déjà l'esprit plus léger. C'est le pouvoir de la pensée positive. En fait, j'ai déjà fait un peu de ménage pour vous. Oh oui, merci, mademoiselle Madeleine. Je vous en prie, reposez-vous et laissez le personnel s'en occuper. Shiro, espèce d'idiot, tu es en train de la perdre. Les clients ne sont pas là pour perdre leur temps avec le ménage. Vous allez bien? Oui, bien sûr. Vous ne serez jamais plus reçu dans un meilleur hôtel, vous allez voir. Comment ai-je pu me laisser déborder par tous ces problèmes? Ah, du coup, faut aller le revoir à chaque fois. Je pensais que c'était juste pour avoir la cinématique en plus. Monsieur Shiro, il est normal que le désordre vous inquiète. Je ne peux toujours pas passer la nuit ici, mais je ne veux... Non, je ne peux toujours pas passer la nuit ici, mais je peux vous aider avant de partir. À la pitié de toi, Shiro, tu es un minable. Petit fact, je suis plus petit de ma famille. Je suis plus petit de ma famille. C'est parce que t'as pas de sœur, ça. En général, les filles sont plus petites quand même. Quoique, t'es plus petit que ta mère aussi. Selon la physique, c'est la masse qui prône. Et selon tous les bouts que j'ai largement la force relative à la masse pour dégommer n'importe qui en dessous de ma masse. Et Retrixia. Ah, oui, la clé, elle est toujours là. La fameuse théorie poids masse d'Einstein. Mon dieu, ces bruits de sommeil de chaussures. Et bonsoir, un barbu. Non, je vais commencer par tout en haut. Comment vas-tu, le barbu? Connecté Zikino, j'ai failli rejouer au jeu. Ah bon, je croyais que tu l'aimais pas tant que ça. En dehors des filles, bien sûr, mais ma mère et ma soeur font 1m80. Ah, quand même. Zut. Il y a un cœur là. Edreda, non, je connais pas du coup. La famille des géants, mais non. Bon. Ma mère est petite, hein, tu vois. Je te l'ai toujours dit. Je l'ai toujours dit. Elle fait 1m70 plus. Même pas dans les 80, quoi. Mange beaucoup de soupe. Ah, moi j'évite la soupe. Bah ouais, mais j'ai vu quelqu'un y jouer il y a peu et au final ça m'a redonné un peu envie. Ah.
Bon. Non. Punaise, mais il y a la touche pour s'agripper. Autrement, ouais, je peux faire ça. Donc, il y a un cœur ici. Comment on fait ? Ah, punaise. Je mange la soupe plutôt. M'enterrer si ça se trouve, manette en main, j'aurais rage quit. Oui, oui, bah peut-être. Ah non. Comment je fais pour la récupérer et monter après ? Oh, c'était bien ça en plus. Non mais j'y arriverai pas. Ah si. J'ai mon petit repère à peu près. Je devrais pouvoir y arriver. Mais du coup, faut que je dash à droite. Et après que je ressaute à gauche. Oh là là. Tu fais toutes les fraises ou seulement celles sur lesquelles tu tombes? J'ai pas de guide à côté, donc celles sur lesquelles je tombe, et je suis un peu déçu. Hein. Parce que des fois, t'es sur, tu te dis, bah c'est par là qu'il faut passer, donc je vais de l'autre côté, et non. Oui, j'ai réussi. Et j'ai réussi le Pico 8 de ce monde. Je sais pas s'il y en a d'autres, d'ailleurs. Il y a quelques fraises que j'ai quand même pas eu. Pas déconner, quelques coffres surtout. Avec des clés plus ou moins impossibles selon mes critères. La soupe ne rend pas grand, je peux témoigner. Tu me dis aussi. Alors, c'est peut-être le vermicelle, ce qui est petit mignon. Qui 1m65 en bombant bien le torse. Voilà. Non! Non, mais non, faut pas. Faut y aller vite. Allez. Oula, je sais pas comment je suis passé. Oh là là, il y a une fraise à droite. Pourquoi il y a un triangle en bas à droite aussi? C'est juste de la déco? J'ai pas regardé du tout où il fallait que j'aille après. Donc je prends le truc, je saute tout à gauche en espérant pas tomber. Est-ce que je peux vraiment sauter tout à gauche? Non. Non, je peux pas sauter. Faut que je saute au milieu, puis... Ouais. Alors. D'accord, déjà je suis... Non, diagonale. Voilà.
vous laisse, je vais faire ma partie de Rocket League avec Danadoc. Et à plus, Flo. 55. Passez une bonne soirée, toi aussi. Du coup, je vais pas trop me plaindre de ma taille. Effectivement, c'est toi qui te plaignais, et puis au final, t'es la plus grande des filles du chat, on va dire. Je vais pas dire des viewers, puisque si ça se trouve, d'autres regardent, je ne sais pas. Yeah. Oh là là. C'est cool d'être petite. Juste mon âge. Oh. Pas besoin de se plaindre de son âge. Hein. On a l'âge qu'on a. On est juste pas tous nés en même temps. Ah. Et puis si tu as un certain âge aujourd'hui, c'est qu'avant tu avais un âge plus faible. Ah, dis pas ça, je me sens plus pissé. Je vais descendre dans la rue. Faire mon quoi que créant. Je suis grande, tu vas faire quoi? Ah, mais non, mais j'ai pas de dash. C'est chaud cette partie. Là, c'était pas mal. Ok, ça c'était nul. Non, ça c'est pas bien. Ce jeu, mon bureau serait déjà mort. Ah oui, j'ai dit que le jeu était juste, mais... C'est pas pour ça qu'on fait pas n'imp... Non, là, c'était la diagonale qu'il fallait. Ok. Hop. Oh non. Pas des petits trucs comme ça. Ouais, non. Il faut bel et bien attendre. Est-ce que je peux dasher à droite? Avec un petit compteur de mort à la fin du niveau qui fait plaisir. Ouais, y'a même pas besoin de le mettre soi-même. Allez. Comment on se déplace là? Oui! Je l'ai eu. Par contre, il y avait un cœur tout à l'heure et je l'ai pas vu là. Il paraît que le DLC est impossible. Eh ben, je veux bien te croire. Ah non, ils veulent pas que j'y retourne. C'est beaucoup plus joli ici. Pouvez-vous m'indiquer la sortie maintenant ?
Mais mademoiselle Madeleine, vous avez à peine eu le temps d'apprécier le myriade de luxe de notre hôtel que notre hôtel peut vous offrir. Nous aurons le temps de parler quand j'aurai fini le ménage. Je suis très occupé. C'est vrai, les jeunes n'ont plus aucun respect de nos jours. Comme vous voulez. Vous avez besoin d'aide ou pas? C'est fini, Oshiro. Elle te déteste. Je suis désolé. Votre hôtel est... Il est beau, vraiment de classe mondiale. J'aimerais bien pouvoir rester. Inutile de vouloir me faire plaisir, mademoiselle Madeleine. J'ai compris. T'inquiète, t'auras l'occasion de voir par toi-même, du coup. Le DLC, il est gratuit, c'est ça? J'allais dire non, j'achète pas les DLC, mais s'il est gratuit. Théo, toi aussi, tu es un client ici? Madeleine, je suis trop content de te voir là. Je raffole des mystères inquiétants, mais là, ça devient trop réel. As-tu parlé à Monsieur Oshiro? Je crois qu'il aurait vraiment besoin d'aide. Tu crois? C'est un vieux cinglé. Je parie qu'il est en train de préparer un coin où cacher nos corps. Je vais ramper dans ce conduit. Il souffle de l'air froid qui vient de l'extérieur. Viens. Monsieur Oshiro est perturbé, mais je ne crois pas qu'il nous veuille du mal. Il doit juste ranger ses désordres. Je veux l'aider. Madeleine, c'est très gentil, mais c'est dangereux. Il faut qu'on sorte d'ici et qu'on appelle un spécialiste en vieux cinglés. On n'est pas préparé à ça. Je crois pouvoir communiquer avec lui. Vas-y, et je te rejoindrai plus tard. Mon sang, tu es encore plus têtu que ma sœur. Je ne croyais pas ça possible. Fais attention à toi. Merci Théo. Je te retrouverai dehors. Non, on peut pas y aller. Qui fait plaisir apparemment ou pas. Apparemment on n'a pas les mêmes plaisirs en barbie. Hé! Hey. Non mais de quoi? Eh ben c'est la folie ce soir! Merci un barbu! Troisième abonnement en une soirée, eh ben. Par contre, comment je suis censé pouvoir passer par là? Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Il n'y a plus que Sinobol. Oui, il y a eu Flo que t'as peut-être croisé tout à l'heure, Trixia et toi. Je suis un mouton là. ouais. Trixia au moins elle a fait un vrai abonnement comparé à Flo qui a fait un Prime. Du coup elle non plus n'est pas une moutonne. Oui, j'ai craqué et vendu un prochain de la troupe. Marbu, dis-moi, comment on passe ici? Je veux passer. En fait, je me suis rendu compte récemment que j'étais un salaud qui ne s'était abonné à aucune chaîne, donc je me rattrape. Ok. Y'a pas de mal. Oh, punaise. D'ailleurs, faut bien que je regarde. Ouais, il fait toute la largeur. Mais du coup, je suis pas assez loin maintenant. Bah non. Mais ça, c'est pour une frais. De quoi? Oh.
Ok. Non! J'avais presque le coup de main. Ah, il a mis trop de temps à venir. Là, je suis énorme par contre. Ah! Faut que tu finisses la dernière partie. Je te trouve dur avec toi-même, le parapluie. Je sais pas si tu peux faire demi-tour après ou si t'es obligé de faire dans un certain ordre. Ah! Bah, c'est la dernière partie. En soi. Non, je l'ai loupé. Bon, de toute façon, je suis mort. Je fais comment après? Après, je peux partir full gauche, peut-être. Mais non, j'ai dit full gauche, pas reprendre le mur. Je me finis pour mes PG. Par contre, il est où mon badge fondateur? Ah non, j'ai désactivé, je dirais. T'as la même réaction que Trixia, du coup. Qui d'ailleurs, j'ai vu que t'as réussi à le réactiver entre temps. Mais. Gauche! Voilà! Quand on fait ce qui est prévu, ça va. Mieux. Ok. Ah. Ouais non, là j'ai fait n'importe. Ok. Alors lui il fait toute la plaque, ok, comme d'hab. Ok. Ok, ça c'est bon. Mince, j'aurais dû aller à gauche. On va mourir exprès. Ah non, il n'y a pas de passage là. Tant pis. Ok, il faut aller où là? C'est marrant, je dis... Putain, je suis un mouton là. Ok, non, c'est une vraie fraise, j'ai eu peur. C'est marrant, je disais à Zikino que je pensais qu'un barbu serait son tout premier sub, mais non, c'est Flo. Oui, j'ai rien trouvé où c'était, mais c'est bon. J'aime pas être premier. Non. Oui mais non, mais là, faut pas que je dash le premier. Il faut que je m'accroche quand même un moment. Et là j'ai plus de dash. Dieu le premier dans son cœur de toute façon. Exagère pas sinon. Fais pas genre t'es jalouse ou quoi. Oh mais non, mais j'ai dash sur la gauche alors que j'étais accroché au mur de gauche. Ça va être long. Alors. Non, j'avais pas prévu. Sans aucune jalousie, je trouve que c'est beau la romance. J'ai
Mais non, pourquoi je voulais redescendre ici? En fait, c'est la... Oula. C'est la bouée qui m'avait perturbé la première fois. Je me suis dit, ah, c'est une zone de danger. Si je loupe la fraise au premier passage... The Messenger, c'est pas le premier jeu qui change pour une musique plus aquatique quand on est dans l'eau. Bon, ça se trouve, c'est même pas Céleste, hein, le premier. Juste que... Pour des jeux 2D, j'avais jamais remarqué. Oui, on est de retour ici. On se refait un petit Pico 8. Non, quand même pas. Les gens ici en bas, là, je suis jamais allé en bas. Si je me trompe pas. Ah, ou alors je venais d'en bas. J'ai quand même un gros doute. Si je venais d'en bas ou si je venais plutôt de la gauche. Hein? Si, ici il y avait le... Non, j'étais jamais venu. Déjà sur l'ordi un mini jeu. Oui, c'est la version j'allais dire de développement, la toute première version du jeu sur un émulateur, on peut dire, qui s'appelle Pico 8. C'est un engine comme Unity et tout, sauf que bah il est fait exprès pour faire pixel art peut-être. Mais surtout du avoir une contrainte d'écran, de tout ça. Il nous dit voilà, vous avez vraiment un don pour disparaître. J'avais oublié sa voix. C'était dur, mais je me suis occupé de tout pour vous. L'hôtel Station Céleste vous présente ses remerciements pour votre aide, mademoiselle Madeleine. Il va sans dire que notre personnel allait s'occuper de ce désordre. Ah, certainement, oui. Quelle humiliation! Vous devez être impatiente de découvrir votre chambre. Il faut prendre l'ascenseur et vous la trouverez au bout du couloir. Et puis flûte, allons-y. Et il faut faire des badges abonnés, ce sera à moi de les faire. Bah, à moins que tu veuilles que quelqu'un d'autre les fasse. Ah bah la suite, c'est sûr. C'est un jeu sur Pico 8. Montrez-moi la suite présidentielle. Ça a l'air très bien. C'est ta dernière chance, Oshiro. Ne la perds pas maintenant. Et juste en le disant, j'ai une petite idée. Ah oui, d'accord.
On prend le non-ascenseur. Oh là là. Je peux t'aider si tu veux. Après, je sais pas si ça sera bien, mais tant qu'à faire, tant qu'on en discute ouvertement, tout ça. Bon, bref. Il a la tête à l'envers dans l'image. Bon sang, c'est un vrai dédale ici. Comment ça va avec le cinglé? Je l'ai aidé à nettoyer, mais il va faire son pauvre type avec moi. Mais il a fait son pauvre type avec moi. Et il croit toujours qu'il va me convaincre de rester. Devine, sérieusement. Mon radar a mauvaise idée. Est en alerte rouge sur ce coup-là. Tu devrais sortir vite fait. Si je disparais maintenant, Monsieur Oshiro risque de s'effondrer. Alors que je pourrais faire quelque chose de bien, pour une fois. Oublie ton karma, mal ami. Je crois que ce mec va s'effondrer quoi qu'il arrive. Tu dois penser à ta sécurité. Théo, ça va aller. Ouais, ouais, je savais que tu ne m'écouterais pas. On se retrouve dehors, la prisonnière. Si tu as des émotes d'une enfant de 5 ans, je peux aider. Mais je le conseille pas. Pour le moment, c'était... Non, on parlait des... Eh mais là, le passage, il se referme derrière moi. Oh non, je vois quel genre de niveau c'est. Je vais dire ma phrase avant de lancer le niveau. En gros, ce que je pensais pour les badges abonnés, ça pourrait être genre les touches, une touche comme mon icône, avec plusieurs couleurs, peut-être un Z qui au début n'est pas forcément formé, qui se forme après, ou je sais pas. Ah non. Je pense avoir besoin d'aide sur l'exécution, mais si je suis bloqué. Je pense pas avoir besoin d'aide sur l'exécution, mais si je suis bloqué, je vous demande. Je propose la tête IRL de Xikino en emo. Nine. Meilleur face reveal. Bah ouais, mais d'un côté, les gens ne comprendraient pas. Oh, bon début d'idée, Xikino. Pour les badges d'abonnés, hein, je parlais de toute façon. Ah mince. Pas pour les. Pas pour les... Je suis où? Je suis dans le mur? Ah non, d'accord, il y a le... Derrière le drap. Ok. C'était pas facile. C'est moi ou il y a pas vraiment de difficulté? Va falloir revenir, c'est ça? Ok. Le meilleur face reveal. Ah, les badges, pardon. C'est pareil, level 5 ans. Non, va falloir revenir, c'est sûr. Est-ce que les badges ont plus ou moins les mêmes dimensions qu'une emote? Je suppose. Comment je fais? Ah, ou alors c'est juste là qu'il faut revenir. Mince. N'importe quoi.
Ah, je savais. Trop loin. Trop loin, un tout petit peu. Il me semble m'a vérifié cette atteinte un peu et on a. Et on en a gravi. Non, en plus apparemment j'avais touché sans le soc, que ce soit un souci. Et là, je suis trop retourné. Tu peux faire un Z de biais en 3D. Faut pas que je revienne. Justement, c'est pour ça qu'ici, je tombe en avant. Voilà. Je suis allé trop loin. Ça peut être sympa aussi, effectivement. Je suis allé trop loin. Et là, pas assez, vu que j'ai trop eu peur d'aller loin. De là, je peux pas non plus. Ah, presque. Non. Ah. Non! Mais je suis sur la croix directionnelle. J'ai oublié son pseudo qui m'avait conseillé. Il était passé. Oh merde. Au début du stream. Mais ça pique un peu les doigts quand même la croix directionnelle des nunchuk. Des joies cons. Je ne joue pas sur Wii. Oh non. J'avais moins de place la dernière fois. Et j'avais réussi. Quel enfer en effet.
Peut-être que j'aurais dû prendre la version itch.io et... et faire sur PC, mais... Après, sur PC, j'ai qu'une manette de Xbox 360 et j'aime vraiment pas le pad quand... Enfin, je trouve pas d'intérêt au pad quand on peut faire une diagonale aussi facilement que ça sans le vouloir, quoi. Non, faut sauter d'abord quand même. Et voilà, où je suis. C'est ta dernière chance. Tu as déjà tout gâché. Laisser une cliente faire le ménage à ta place. Elle ne restera jamais. Si, elle est toujours là, il reste une chance. Il y a bien deux personnalités. La suite présidentielle est la clé. Ça va sûrement l'impressionner. Reprends-toi, Oshiro. Non, il n'y avait pas de caca dans cette pièce. Je peux juste pas passer, d'accord. Oula, mademoiselle Madeline. Suivez-moi vite, on y est presque. Dans tous les cas, je serais allé en bas. Excusez-moi. Donc là, je tombe avec le truc qui fait des dashs à l'infini. Je saute, dash, prends la fraise. Et je m'agrippe à un mur, je suppose, en haut. Parce que si je redescends sans m'agripper, je vais retomber trop difficilement. Je pourrais pas tomber à droite à tôt après. Oh. Et puis, la partie gauche, ça devrait aller plus. Voilà, là j'étais au joystick. Ok, non. Est-ce que je m'abonne pour avoir le first ou tant pis? Tu fais comme tu veux, mais c'est pas grave. Oh. Ah non, 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 non. Ils abusent, il n'y a pas beaucoup de place. Mais non, mais je peux pas, faut d'abord que je saute sur le mur de droite. Comment on fait pour ressortir après ? Non, fallait pas dasher. Je suis déjà abonné. Je voulais pas m'agripper. Non. Presque. Il
Punaise. Et non. De toute façon, j'étais trop sur la droite. Mais trop sur la gauche, ça ne fonctionne pas non plus. Oh non! Ouais, trop sur la droite, mais bon, tant pis maintenant. Passé. J'avais perdu mon dash. C'est quoi ce labyrinthe? Si on va voir là, et puis c'est pas grave. C'est le journal de Monsieur Oshiro. On dirait que le texte du dernier jour remonte à plusieurs dizaines d'années. À compter d'aujourd'hui, l'hôtel est officiellement fermé. Charlotte a organisé une randonnée d'adieu sur la montagne pour le personnel. Peu parmi nous sont déjà allés au sommet. Ça semblait être une bonne façon d'en finir, mais quand l'air est venu, je n'ai pas pu quitter les lieux, sans y faire un dernier tour. J'aurais dit de continuer sans moi. Je les rattraperai dès que possible, après avoir bien vérifié que tout est en ordre. Je n'arrive pas à croire que j'en ai fini avec cet hôtel. Que vais-je bien pouvoir faire maintenant? Je resterai peut-être une dernière nuit afin de pouvoir faire de vrais adieux à l'hôtel. En fait, il n'est jamais dit adieu à l'hôtel, quoi. Oui, d'accord. Et du coup, à gauche, c'était la suite du jeu ou pas? Ou c'est là la suite du jeu? Mais non, il faut que je dash. Oh. Non.
Ok, faut pas que... Ok. Quoique si j'avais un dash. Et voilà. Ok. Donc apparemment il y a encore beaucoup de niveaux à faire. Puisque là on arrive d'en bas. Là aussi on arrive d'en bas. On apparaît, on saute à gauche, on prend les... ouais, on fait la farandale des... Et le dernier tout en haut à droite, on le prend, on dash pas, on attend d'avoir la fraise et on saute, on dash. Ok, ça va à peu près. Faut trouver la salle maintenant, mais... Et là, je sais pas pourquoi on irait. Je vois pas de fraise ici. Mais pourquoi pas, mais... Pour le moment, je ne comprends pas tout. Ok, ça c'était plus facile que ce que je pensais. Là, ok. Ok. C'est bel et bien une serrure, ok. La forme qui revient en noir. Quand on meurt. C'est donc bel et bien une face B par niveau qu'il faut. Oui, non mais non, et en plus je l'ai lu deux fois. Genre la porte elle est là. Mais en bas on a vu deux passages... Au moins deux pièces différentes. Voilà. Ok. Non! Je recommence du début. Et voici notre suite présidentielle, plusieurs fois primée. C'est vraiment la définition même du luxe rustique. Je vous laisse vous plonger dans toute sa majesté. Je comprends que ça puisse faire beaucoup d'un seul coup. Alors, qu'en pensez-vous? C'est beau. Les meubles doivent coûter cher. C'est très spacieux. Les couleurs sont élégantes. On voit que vous y consacrez beaucoup de travail. Je savais que vous seriez impressionné.
Ouais. Alors, je peux accéder au toit à partir d'ici? Espèce d'imbécile, tu es en train de la perdre. Oh, j'allais oublier de vous dire. Les clients précieux comme vous peuvent bénéficier de nos meilleures chambres à moitié prix. Je ne veux pas rester. S'il vous plaît, Madeline. Restez, je vous en prie. Monsieur Oshiro, j'ai déjà perdu beaucoup trop de temps. Monsieur Oshiro, j'ai déjà perdu beaucoup trop de temps. Madeline et Oshiro. Madeline, ma chère, oublie ce loser. Loser. Vous êtes en plein déni, vieil homme. Cet hôtel est un taudis. Personne ne voudra jamais rester ici. Il fallait que quelqu'un le dise. Elle ne pense pas à ce qu'elle dit. Je suis très occupé. Veuillez partir, mademoiselle Madeline. Allez, mademoiselle Madeline, tu l'as entendu. Où en serais-tu sans moi? Mais du coup, il y a clairement des passages où j'ai juste pas su comment y accéder. Pourquoi a-t-elle dit que mon bel hôtel était un taudis? Comment ose-t-elle t'insulter ainsi? Et si elle disait vrai? Bien sûr qu'elle dit vrai, tu ne pourrais même pas nettoyer sans son aide. J'ai essayé, j'ai fait de mon mieux. Mademoiselle Madeline, je voulais juste aider. Mais pourquoi a-t-elle été si cruelle? Miskine, comment ose-t-elle t'insulter ainsi? Et si elle disait vrai? Ah non, ça a bouclé. Oui. Mais du coup, ouais, il y a une bonne partie de l'hôtel que j'ai pas vu, pas fait. J'ai cru qu'on ne se débarrasserait jamais de lui. Tu me revaudras ça. Ajoute-le à ta liste, à la liste. Laisse-moi tranquille. Je te croyais pourtant tellement déterminé à poursuivre ta sortie. Et là, tout d'un coup, tu te transformes en thérapeute pour cingler. Pourquoi tu t'en vas pas? Mademoiselle Madeline, avant que vous ne partiez, je dois vous poser une question. Pourquoi avoir été si aimable avec moi pour me quitter maintenant? Qu'ai-je fait de mal? Oh, arrêtez un peu, vous ne comprenez toujours pas. Elle n'aide les gens que pour satisfaire son ego démesuré. Elle ne s'est jamais souciée de vous. Tais-toi! Je voulais juste aider. Vous êtes pitoyables tous les deux. Pitoyables? Excusez-moi, j'ai bailli. Vous n'êtes venu ici que pour m'humilier. J'en ai fini de ramper devant vous. What the... Ok. Non, on peut pas passer sur la gauche. Ok. Ah non. Je vois pas pourquoi je passerais dedans. Oh! Je savais pas que je pouvais la sauver. Ah non. Il est raciste, il arrive pas à différencier Madeline et Dark Madeline.
C'est Badlin, on t'a dit. D'ailleurs, en parlant de racisme et tout ça, j'ai lu un truc comme quoi, apparemment, tous les trans, à peu près, disent se reconnaître dans l'histoire de Madeline et que donc Madeline serait trans. Et Matt Thornton, je crois, si je n'écorche pas trop son nom de famille, non mais non, faut passer par en haut pour la truc, est devenu Maddie Thornton, mais au moment de faire le jeu je sais pas comment faut dire, du coup il ne se sentait pas trans, femme ou quoi. Ça lui est venu après, si je puis dire. Oula. Non. Qui est aussi trans, ouais, c'est ça. Mais au moment de faire le jeu, il ne l'était pas, et puis... Mais apparemment, dans le DLC... Ah, punaise, comment on fait là? C'est... Il y a plus une... Référence, c'est pas le mot. Ah mais si, mais en lui sautant dessus. En me servant de lui. J'en apprends tous les jours avec vous. Bah, c'est le seul truc que je regrette de plus trop regarder Twitter, c'est de plus avoir... Bah là, c'est... Cette partie-là, c'est un peu ragot, on va dire. Mais des news... de développeurs indépendants en général... de m'instruire. Et de rien. Oh non. C'est vrai que je peux pas sauter sur place. D'ailleurs, oserais-je imaginer que cette... histoire de transsexualité, un drama sur Twitter. Je ne sais pas. Je suppose quelque part. Quoique, je sais pas. Ça fait un bout de temps que j'ai arrêté Twitter parce que il y a quand même beaucoup de pubs d'entreprises. Merde. Et que je n'y trouvais plus. Enfin. J'y perds trop de temps et c'est chiant de devoir changer toutes les 5 minutes. Non, je veux l'ordre... l'ordre normal. Non, mais si quelqu'un a aimé un message, j'en ai rien à faire, même si c'est un de mes enfin, une des personnes que je suis. S'il voulait que je sois au courant, il l'aurait partagé.
tout ce genre de choses que Twitter a choisi de faire en sorte de ne pas me plaire, quoi. Au bout d'un moment, j'ai craqué. Donc malheureusement, les news de jeux indés, de choses comme ça, je n'ai plus. Twitter, Facebook, tu peux pas dire que tu n'aimes pas les petits pois sans déclencher une guerre, donc bon. Bah, ça se paramètre, oui, à chaque fois que tu reviens sur la page, il faut que tu redises « Je veux l'ordre chronologique ». Ils pensent que leur algorithme, qui ne te font pas voir les messages que tu veux voir, est intéressant. Mais si je m'abonne à quelqu'un qui poste une fois l'an, je veux avoir autant de chances de voir son message que quelqu'un qui fait 18 messages par jour. Voire limite, je préfère celui qui fait une fois un message lent que l'inverse. C'est scandaleux ce que dit Trixia. Oh là là, faut que je prenne mon temps ici. Ah non, mais j'ai oublié la gâchette pour monter. Mais non, faut que je reste en hauteur. Ouais. Je vais RT. Pas... J'aime tout. Merde. J'aime tout le monde, pitié, pas la potence. Ah, mais comment tu peux aimer tout le monde? Tu aimes même les nazis et les trans. Attention, ils s'aiment vraiment pas entre eux, ceux-là. Hein. Tu peux pas aimer tout le monde. Non. Petit piou choqué. Mais non! Ah oui. Merde, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Non. Oui. Non. C'est pas tout ce que je veux dire. T'as que des chiens, t'es raciste. Faut que j'ai une chat. Et tu l'as même pas mise en écran de non-stream alors que ton chien y est. C'est encore pire. Et elle pisse partout, donc difficile de l'oublier. Moi aussi, j'ai une chatte. Et clairement un manque de respect. Effectivement, nous aussi, on a une chatte. Ah,
Non! L'enchaînement de vos deux commentaires rend les choses particulièrement dégueulasses. Attendez, j'ai rêvé où il n'y avait plus de fraises? D'ailleurs, je sais pas pourquoi j'essaie de passer par en haut alors que... Mais tu es genre plus de rien. Non, il y a bel et bien plus de fraises. Mais du coup je saute pas assez haut. Oh là là. Toujours là. Tes souhaits. Bah oui, il y a plus de fraises. Bah oui, mais vu que j'étais pas tombé sur un endroit 200% safe, j'étais pas sûr. J'aurais dû dasher. J'aurais dû m'accrocher, j'aurais pu. Non. À l'époque, Knight avait sa cam sur mes streams, pour ça qu'il y a sa photo. Merci. Non, non. Faire rester le chat devant la cam, c'est chaud. Et là, je me suis fini pour pas finir au péché. Tout le monde dédié à tes souhaits ou santé à Sinobol. J'espère que sur la VOD, vous ferez pareil. Et ça me rend encore plus suspicieuse, barbu. Par contre, Sinobol, attention, il y en a plus à l'écran maintenant. Est-ce que je peux passer par en bas plutôt? Peut-être. Ah là là. Ah, tout ça parce que je me dis, on est bientôt à la fin. Non, 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 la fenêtre est tout droit. Qu'est-ce que j'ai écrit? Enfin, je crois. Sorry pour la mort. Oui. Non.
Non, 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 c'est la gâchette pour monter les murs. Oh là là, là je pouvais rien faire par contre. Ça, ton écran a pas l'option essuie-glace. Hante. C'est hante. Non, trop. Ah! Est-ce que c'est faisable au moins? Non, ni l'un ni l'autre n'est faisable. Catastrophe, mais j'y étais, punaise. Ah ben c'est bien ça, ça peut fonctionner, c'était... Tu commences à avoir faim. Ouais, de toute façon, si on veut manger... Et qui a bel et bien un Gartic Phone sur le stream du barbu après. Va pas falloir qu'on tarde trop. Et oui, ça a été confirmé pendant ton live. Ah. Non. Celui du bas, je le vois pas. Là, j'ai plus besoin de monter. Trop tôt. Bon, au moins là... Bon, au moins la fraise a été validée. Je peux passer par en bas là. Oh.
D'ailleurs, c'est pas un peu trop fort pour vous? Parce que ça commence à être fort pour moi. Stream Squad, je crois qu'il faut être partenaire ou au moins avoir plein de vues. Non, je suis mort en haut. On n'est pas assez célèbre, ouais. Après on pourrait se faire un lien multi-stream ou multi-twitch, je sais plus comment ils s'appellent ces liens là. Ah je le voyais pas. Et se le mettre de temps en temps dans le chat si jamais quelqu'un vient. C'est fait. Cinématique. Monsieur Shiro, arrêtez! Je voulais juste aider. J'ai décidé de fermer l'hôtel pour réparation. Il y a des fuites dans la plomberie du deuxième étage. Dans la bibliothèque, c'est un vrai chaos. Sans parler du trou dans le plafond de la suite présidentielle. Je vous en prie, laissez-moi seul. Du niveau, chapitre fini, c'est bel et bien un fantôme. Eh ben, j'ai essayé de faire des comment on dit. Ça monte plus de 1 en 1, ça monte de centaine en centaine. Moi qui essayais de faire en sorte d'avoir des VOD d'une heure, et bah maintenant ça fait une heure et demie. Yes, oui, désolé, c'était pas prévu, mais je ne savais pas à quel moment ce chapitre allait s'arrêter. Du coup, j'espère que ça vous aura quand même plu, les petites demi-heures bonus. Donc les trois premiers épisodes ont été enregistrés d'affilée, on va dire. Et j'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à très vite.